always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Cortes que estão aí, cara, são meio doces, tem que atirar o som melhor, som do Joker. Mas está ali, então, a tudo isso. Ouais, sur Xbox, le chat Xbox, maintenant tu peux envoyer le vocal sur ta console. T'as l'écoute fait sur ordinateur. Stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Salut tout le monde, c'est Jerry Storm, et aujourd'hui on est avec Miguel dans un live nocturne.
Alors, modalité, de quoi tu veux parler? Et bonjour Vincent, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas trop, que tu n'as pas trop parlé, que personne n'a trop parlé, que moi et Vincent, on trouve ça assez intéressant pour parler. Parler hydroélectricité, nucléaire et tout, parce qu'on parlait hors stream de Tchernobyl et de la série qu'on fait sur HBO. Oui, sur HBO. N'était pas inintéressante du tout, qui était vraiment, vraiment bien faite. Et aussi, parler que notre vie, la vie ne tient que par un cheveu. Parce que oui, vite fait, une petite parenthèse, on dit les vaccins, etc., peuvent tuer, mais quand on voit que il y a des fois pire dans la vie, comme le nucléaire, s'il est mal entretenu, parce que tu me disais tantôt qu'en France, ils ont laissé en décrépitude les centrales nucléaires, et que quand ils ont voulu les réutiliser à plein régime, c'était rendu trop désuet, ils ont dû repartir à nouveau. Bah, en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est que le parc nucléaire, on va donner des chiffres, hein, c'est pas les vrais chiffres, mais c'est pour comprendre. On va dire qu'il y a 20 usines nucléaires, et en fait, pour pouvoir se délaisser du nucléaire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accordé moins de crédits pour les réparer. Et du coup, elles sont moins productives. Et en fait, elles sont donc du coup aussi plus dangereuses. Et en hiver, bah, il a fait froid, il faut beaucoup d'énergie. Et là, les mecs, ils sont un peu coincés, quoi. Et ils vous disent, oui, bah, il faut économiser de l'énergie. Alors que normalement, la France revend beaucoup de courant, hein, donc dans les pays à côté, notamment aux Allemands, hein, qui, eux, utilisent beaucoup des usines par rapport au charbon, hein, ce qui est polluant. Et du coup, bah en fait, c'est là qu'ils ont été coincés, parce qu'ils ne pouvaient pas les faire tourner à plein régime sans que ce soit dangereux. Donc voilà, c'est à cause de ça. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez de parcs, c'est qu'il n'y en a pas assez en bon état. Et d'ailleurs, Fessenheim, moi j'habite pas loin de la centrale nucléaire de Fessenheim, qui a été démontée il y a un an et demi déjà. Et alors, je ne sais pas où ça en est, mais a priori, ils voudraient faire une nouvelle centrale nucléaire d'une nouvelle génération. Voilà. Oui, une nouvelle génération, il faut trouver une solution comment déménager le nucléaire vers la nouvelle aussi. De toute façon, le problème, c'est qu'avec la mondialisation, on est beaucoup trop dépendants les uns des autres. Et quand il y a des pays comme la Russie qui sont très puissants, qui ont beaucoup de ressources, parce que la Russie, non seulement c'est très grand, mais ils ont beaucoup de ressources, et ben nous, on est vite coincés. Hein. Et puis les Allemands, ils sont marrants, parce que nous, souvent, comme je dis, moi, je suis à peu près à 7 km de l'Allemagne, souvent, les Allemands, en fait, nous voient d'un mauvais œil à cause du nucléaire, et en fait, eux, ça ne les dérange pas d'utiliser des usines à charbon. Par exemple, en ce qui concerne l'électricité et l'essence, par exemple l'essence, voilà, on va parler de l'essence, ils ont signé un des seuls pays, ils ont signé un accord pour continuer à produire des voitures à essence. Parce qu'ils veulent pas. Oui, tandis que les autres qui disent 2030-2035, c'est irréalisable. Ouais. Et puis surtout, les voitures électriques, ça a un coût beaucoup plus important que les voitures à essence thermique. Hein. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte. Oui, le stress que ça va faire sur le réseau électrique, ça va être beaucoup. Et puis c'est incroyable quand même, parce que l'électricité, si on n'a pas assez d'électricité en hiver, hein, ou en été, parce qu'il faut aussi les climes, qu'est-ce que ça va être quand en plus il faudra de l'électricité pour la voiture, pour le chauffage, pour les transports en commun? Donc en fait, ça voudrait dire qu'en hiver, on tombe en panne d'électricité et du coup, on est blackout. Et le courant va être moins stable aussi parce que regarde, c'est qu'il y a une vidéo qui montrait les magasins, tu sais, pour les ceux qui sont dans au gouvernement et les haut placés en Corée du Nord, c'est une place qui a des boutiques pour les privilégiés. Et on voit dans la vidéo, l'épicerie, que les lumières, ils se ferment et qu'ils se rallument peut-être 20 secondes après. Ah ouais.
C'est-à-dire que leur courant n'est pas fiable, leur électricité n'est pas stable non plus. Et en plus, il y a aussi une chose que tu devrais prendre en compte et que j'entends très très peu, mais des gens qui ont des voitures électriques m'ont confié que, par exemple, une autonomie de 500 km sur une voiture, dans des conditions comme le froid ou le chaud, où il faut beaucoup de clim ou beaucoup de chauffage, en fait, ça diminue grandement la consommation. Au Québec, on parle peut-être de, si mettons, tu as 500, tu vas peut-être avoir 275-300. Mm-hmm. Et l'été, en canicule, tu vas mettre la clim. Donc, la clim, ça tire du jus aussi. Donc c'est incroyable. Parce que déjà... Et t'ouvres les fenêtres sans clim ou sans chauffage, ça fait perdre du jus à batterie aussi, parce que tu fais le vent, la voiture n'est plus aérodynamique à cause des fenêtres. Exact. Si tu utilises ta radio plus forte, ça prend de la batterie aussi. Si tu prends ton Apple CarPlay ou Android Auto aussi, ça prend de la batterie. La moindre chose que tu vas brancher dans ta voiture va prendre de la batterie aussi. Et en plus, avec le temps, la batterie, elle a une charge moindre aussi. Elle diminue la charge. Oui, mais c'est moins pire que sur tablette et téléphone et ordinateur portable quand même. Les matériaux pour faire des batteries, c'est pas illimité aussi. En fait, j'ai l'impression que dans la plupart des domaines, en fait, l'humanité est en train de se taper un mur. Et en fait, elle continue à avoir cette mentalité de nos ancêtres dont on s'en fout. De toute façon, moi, dans 40 ans, je serai certainement plus là. C'est ça qui est le gros problème qu'il dit, c'est que nous autres, on va pas le voir, ça, quand il va avoir une... Ils disent la fin du monde, c'est les Mayas à la con et tous ces gens, ces imbéciles-là. On verra pas la fin du monde de notre vivant, mais qu'est-ce qu'on va laisser à la génération après nous autres en 2100, par exemple, dans un siècle, dans 100 ans, va être encore pire qu'est-ce qu'on a présentement, que nous autres, on s'est fait laisser de la merde par les autres d'avant nous autres. Donc, malheureusement, ceux qui étaient avant nous en ont pas trop payé de ceux qui étaient avant eux autres, que ceux qui étaient avant eux autres, que ceux qui étaient avant eux autres. Tandis que nous autres, on n'en paye pas trop non plus, même si on dépasse la capacité de qu'est-ce que la planète peut nous donner en matériaux, en nucléaire, etc., et qu'on le dépasse, c'est moins pire dans notre cas parce qu'on peut se le permettre. Mais le truc, c'est qu'à force d'user, il va y avoir une civilisation. Les peuples après nous autres vont finir par payer le prix de nos mauvaises actions. Et c'est pas juste à cause de nous. C'est à cause de tous ceux qui étaient là avant nous autres aussi. Mais j'avoue que nous autres, en bas, on fait pas pire dans l'abus. Bah, nous, on sait. On n'a pas l'excuse de dire qu'on sait pas. Tout est fait pour... Tout est fait moins de bonne qualité. Les voitures... Les ventilateurs, les climatiseurs, les électroménagers, tout est fait pour ne pas durer. Mmh. Et quand ça casse, tu vois, ça coûte aussi cher réparer qu'à ce que donc, où tu penses qu'ils s'en vont, les appareils réfrigérateurs et tout brisés? Dans s'en à la cour à scrap. Quoi? Et comme en fait, la cour à scrap, c'est que c'est comme une cour où ce que quand une voiture est en fin de vie, comment ça s'appelle? Une junkyard. Ouais, à la casse. Donc, ça aussi, il faut penser à ça. Bon, après, il y a des lois par rapport au recyclage aussi, par rapport à ça. Mais c'est vrai que de toute façon, pour l'essence, par exemple, je crois que c'est l'année 2009 a été l'année pivot où il faut de plus en plus d'énergie pour récupérer de l'énergie fossile. Donc ça fait quand même quelque chose comme 14-15 ans qu'on est en fait qu'on est à crédit, tu vois. Ça nous coûte de plus en plus cher d'avoir de l'énergie. Et c'est vrai que le problème, c'est que dans notre société, en fait, l'enjeu principal, c'est l'énergie, que ce soit la nourriture, que ce soit le chauffage, que ce soit l'électricité, l'essence. Et moi, j'ai bien peur que dans les décennies qui arrivent, il y ait des crises. Et tu sais, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que
jusqu'à présent, tu vois, il y a eu les moteurs thermiques avec les voitures. Il y a des grandes nations comme les Américains avec General Motors, il y a des grosses nations comme les Allemands, Mercedes, BMW, etc., qui ont, pendant plusieurs décennies, à Ford aussi, hein, ont dominé le marché. Et en fait, les pays maghrébins, alors je ne connais pas trop les termes, hein, comme qui fournissent l'essence, etc., L'Arabie Saoudite. voilà, ce genre de pays, depuis quelques années, ils investissent beaucoup dans l'électricité pour plus tard. Parce qu'à un moment ou à un autre, hein, les puits seront vides. Et le truc, c'est que au niveau des énergies, ça va donc devoir bifurquer sur l'électricité. Et des pays comme les Chinois, enfin les pays asiatiques, etc., Inde, en fait, ils ont travaillé d'arrache-pied depuis une ou deux décennies par rapport à l'électricité. Ce qui fait que le marché des voitures, par exemple, va changer radicalement. Il y a des sociétés comme Peugeot, hein, dont c'est pas très loin chez moi, qui ont pour objectif dans les années à venir, je crois que c'est en 2025, qui vont arrêter de faire des voitures thermiques, mais les moteurs électriques vont être plus produits par les pays donc asiatiques, Inde, etc. Donc en fait, il va y avoir un bouleversement en fait au niveau de ça déjà. Est-ce Oui, que et pourtant l'Inde pollue plus probablement que nous autres. Mais ça se pourrait que l'Inde soit plus verte que les autres dans quelques années. Après, je sais pas, moi, il y a des technologies comme l'hydrogène, mais tu vois, c'est ironique parce que moi j'ai vu un reportage il y a quelques temps sur les voitures à hydrogène, et je crois que c'était des Allemands. Ils faisaient de l'hydrogène, mais comme ils n'avaient pas la technologie pour et les ressources, ils utilisaient de l'essence pour faire de l'hydrogène. Donc En en parlant fait, d'hydrogène, il y c'est. a un Toyota Mirai. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des Toyota Mirai. Non, je connais Pour ça. désolé de te couper. Mais le Toyota Mirai, c'est une voiture Toyota à l'hydrogène. Et le gouvernement, je sais qu'il vendait une voiture qui en valait 60 000. Il la revendait 20 000 pour une 2019, genre. Parce que tu n'as pas de place vraiment au Québec pour te remplir en hydrogène. Il y en a peut-être une ou deux endroits. C'est triste parce que l'hydrogène, c'est juste de l'eau. L'hydrogène en soi, c'est une bonne idée, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas grand personne qui sont intéressés à ça. Exactement. Non, mais c'est. Mais moi, je comprends pas que cette énergie non polluante, qui est en quantité énorme, n'est pas encore utilisée. Mais moi, je pense que tant qu'ils pourront nous vendre de l'essence, tant qu'ils pourront nous vendre de l'électricité produite avec du charbon, etc., ils vont le faire. Parce que Oui, le et problème, c'est que l'enjeu environnemental est toujours de côté, et c'est toujours les gens, les particuliers, qui doivent baisser leur chauffage, baisser leur climatisation, qui doivent acheter des appareils économiques. Un exemple tout con, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, quand on achetait une ampoule, et c'était encore en francs, hein, ça coûtait quoi, 30, 45 centimes. Et pas je dis bien en francs, hein, pas en euros. Et de nos jours, en fait, on est obligé d'acheter des ampoules économiques, mais qui nous coûtent 1, 2, 3, 4 euros. Et au final, dans la vie de l'ampoule, bah, les 4 euros par rapport aux 30 centimes de francs de l'époque ne sont jamais amortis. Donc c'est ça l'écologie, acheter des choses plus chères. oui, t'as raison. Attends, je vais juste te couper une seconde pour l'ampoule. Oui. Avant, une ampoule incandescente avait une meilleure durée de vie qu'une ampoule Adel. Parce qu'une ampoule Adel, oui, c'est une bonne idée, mais celles qui ont une board, une carte mère dessus, souvent, c'est quoi? Tu penses qu'ils cassent en premier, c'est la carte mère de l'ampoule. Donc, l'ampoule, techniquement, fonctionne encore, mais t'as plus un condensateur a sauté ou quelque chose a merdé. Mais Ça coûte aussi cher de changer. en Et fait, ça c'est 30 dépend. ans d'utilisation. C'est pas 30 ans une ampoule Adel. C'est ça. Non, mais c'est ça. Le problème, c'est que déjà, il y a plusieurs types d'ampoules à LED, hein.
Mais le truc, c'est que, par exemple, moi je suis électricien et on conseille aux clients, par exemple, de mettre des ampoules à incandescence. Maintenant, c'est devenu interdit, mais bon, ça c'est quelque chose dont je vous parle il y a 10 ans. Dans des endroits comme des, je sais pas, un couloir qu'on allume et qu'on éteint plusieurs fois. Alors que Oui, parce l'ampoule qu'un LED. flux compact, comme une torsade ou un tourbillon, Voilà. Mais c'est c'est pas ça. bon de laisser ça ouvert fermé parce que tu vas l'user plus vite. C'est ça le problème. Non, mais de toute façon, tout ça, c'est de la fumisterie. À chaque fois, on nous ressort quelque chose dans le style pour dire oui, mais c'est mieux, c'est mieux. Alors que finalement, c'est les grosses sociétés, les gouvernements, les mafias, on peut appeler ça des mafias, hein, qui en fait polluent. Il y a des pays comme l'Amérique qui préfèrent payer des amendes et polluer, et ils s'en foutent des principes. Tu sais qu'il y a même des pays comme la Russie, par exemple, où il fait moins 40 en Sibérie, eux, qui fassent 3, 4, 5 degrés de plus, ça ne les dérange absolument pas. Et c'est vrai que là, ça aussi, c'est une chose que j'ai beaucoup entendue dans les vidéos de GouvHD, hein, qui parlent beaucoup de la Russie, c'est que des pays comme le Canada ou la Russie, dans un futur proche, hein, dans quelques décennies au maximum, ça va être beaucoup plus vivable dans ces zones-là. Et en fait, il va y avoir aussi des migrations. Il va y avoir les gens qui habitent en Afrique, hein, qui vont monter genre dans l'Europe. Donc on a des choses qui vont vraiment beaucoup évoluer. Ouais, Moi, je suis pas sûr de ça, moi. je pense qu'on est dans une période assez pivot, tu vois. Il y a des périodes comme la révolution industrielle de l'époque victorienne, etc., qui ont été des moments majeurs. Mais là, on est en train de s'amorcer un nouveau mode de vie. Parce que entre les climats qui changent, entre le fait que les énergies, on est en transition, au niveau du travail, je ne sais pas pour chez toi. Mais de plus en plus, on a des caisses automatiques, des caisses paniers. En fait, on a de moins en moins de vendeurs dans les magasins. Oui, et je ne prends pas les caisses automatisées parce que je suis contre ça, donc je prends celle avec l'employé que j'aime le plus. Mais ça, c'est clair que tu peux faire ce choix. Mais un jour, il n'y aura plus ce choix. À Paris, il y a des magasins où, en fait, dès que tu rentres, ils te scannent. Ils savent qui tu es. Et en fait, ils savent qu'est-ce que tu prends. Ce qui fait que, au niveau de l'anonymat, par exemple, ça c'est une chose dont on peut parler aussi. En fait, quand tu seras dans un lieu type magasin, on saura automatiquement qui tu es. On saura qu'est-ce que tu achètes, on sait à quelle heure tu y vas. Et c'est pour ça qu'il y aura des magasins ouverts 24 heures sur 24. Hein. Moi je sais qu'à Paris, tu as au moins deux magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24. Il y a juste des heures où en fait il y a des employés qui remplissent les rayons. Et sinon, bah voilà, c'est juste ça, remplir des rayons. Je vais faire une parenthèse sur l'histoire d'ampoule. Ici, pour essayer de contourner le problème, ils ont fait des ampoules incandescentes halogènes. Donc, au lieu d'être 60 watts, c'était des 43 watts. Mais moi, je me rappelle, avant, quand ils ont interdit, ils pouvaient vendre l'excédent d'ampoules. Et j'ai acheté pas loin, je pense, de 50 à 70 ampoules incandescentes, des Sylvania, des GE, des General Electric et des Philips, tout fait aux États-Unis et pas en Chine. Et il m'en reste encore peut-être 59 que j'ai pas déballé. Sur les 20 qui ont été déballés, 5 ont brûlé, 15 fonctionnent encore. Et des Dell. J'ai eu énormément de Dell qui ont brûlé. Et celle que je pense que c'est la meilleure compagnie pour acheter des ampoules, ceux qui ont donné le meilleur rendement, tu veux savoir c'est quel? Bah, les Philips. ampoules, quoi, les ampoules. Non. Ouais. Philips et General Electric. Sylvania sont bonnes, mais j'en ai eu quelques-unes qui ont commencé à clignoter. T'avais des Philips Hue, HUE, numéro un, pas de problème. Et les GE Super HD, très belles aussi, en forme de vraie d'ampoule régulière. Mais ça, c'est con, hein? Les incandescents, ça brûlait, oui. Mais si tu les laissais allumer en permanence, ils brûlaient pas.
C'est con, hein? C'est vrai que c'est con. Ouais. Oui, parce qu'il coupait moins les coûts de fabrication aussi. Regarde, les incandescents, ils n'ont pas arrêté parce que ça polluait principalement. Ils ont arrêté parce que c'était pas tuable pour certaines ampoules. Tu sais, j'avais déjà regardé sur YouTube un documentaire traduit, parce qu'à l'époque, je savais pas parler anglais, pas encore moins écouter des films en anglais ou écouter quelque chose en anglais. Ça avait été traduit, je pense, par un canal en France, TF1, ou bref, France 4 ou France 2. Ou M6, et ça l'expliquait qu'il y avait eu une ampoule, parce que j'avais rien trop québécois, qui expliquait qu'il y avait une ampoule incandescente dans un poste de pompier aux États-Unis, en Californie, que l'ampoule était allumée continuellement, excepté peut-être deux, trois fois dans sa vie, soit que la caméra a cassé, soit que l'ampoule, il y a eu une panne électrique, mais il paraît qu'il avait mis une génératrice pour l'ampoule. Qu'elle éclairait toujours aujourd'hui. Et c'est encore le cas, je pense. Attends, d'aller voir. Une ampoule, c'est au moment de l'allumage qu'elle consomme le plus. Des fois, il est même conseillé de laisser allumer, parce qu'en fait, elle consomme beaucoup moins. Tu vois, c'est le genre de détail, c'est con, hein, mais les gens ne savent pas. C'est comme un ordinateur. Des fois, il y a des gens qui s'amusent à éteindre l'ordinateur 10 fois par jour. Alors qu'au final, c'est surtout au démarrage que tu consommes beaucoup. Ils disent que la lumière centenaire était originalement un 30 watts ou une 60 watts. Mm-hmm. Maintenant, elle est rendue très faible en luminosité. Il fait et émet la luminosité d'une veilleuse de 4 watts. 4 watts modernes, alors. Longest lasting light bulb burning since 1901, depuis 1901, à Livermore, California. Est-ce qu'il y a encore une caméra ou quelque chose? Oui, il y a encore le site. Mm-hmm. Je vois, c'est encore la caméra dessus. J'espère que ce n'est pas. Je sais, attends, c'est combien compliqué ça? Une caméra sur l'ampoule? Ouais. C'est incroyable, il filme une caméra avec une caméra et une ampoule. Bon, elle a été centenaire, donc c'est sûr que. T'imagines une ampoule qui dure 100 ans. Il deviendrait fou, la société de consommation deviendrait complètement fou. Non, mais j'essaie de voir le live stream, voir s'il y a une vidéo peut-être. Oui, encore. Attends, oui, il y a des affaires plus récentes. De toute façon, on peut pas le diffuser, donc voilà. Mais c'est quand même dingue, hein, toutes ces histoires d'énergie, en fait. On est vraiment à l'aube d'une révolution, je pense. Hein. Million d'heures en 2015. Mais 1 million d'heures, t'imagines? 1 million d'heures, ça fait, pour 100 heures, ça fait 4 jours. 40 jours. 40 000. Oh, putain, mais c'est monstrueux, hein, la durée de vie de l'ampoule. Ça fait 100 ans. Ouais. Et c'est pour ça que l'ampoule, elle a eu son propre site. Je vais l'envoyer sur YouTube. Le lien, si on peut. Bah, peut-être. Non, mets-le dans le chat si tu veux, ouais. C'est ça que je vais faire. Ouais, donc en fait, mais alors pour toi, c'est quoi le futur de l'énergie alors? Laisse-moi réfléchir, parce que je vais réfléchir donner une bonne réponse. Ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais streamer la fenêtre. Donc voilà. Donc reparle-nous de cette histoire d'ampoule. Cette ampoule-là, en Californie, elle a été installée là, je pense, à l'ouverture de la caserne de pompiers. La webcam a l'air brisée, mais il y a l'air d'avoir un light feed pareil, on voit des photos de ça.
qui monte là, 1 million d'heures dessus, qu'on voit qu'elle est très faible, là, elle est rendue l'équivalent de 4 watts modernes. Mais comment est fait le filament, ça me vraiment... C'est ça, regarde, 3-4 heures qui a été éteint en 2013. C'est clair, en 2013. Donc, comment qu'elle a pu résister à de la chaleur, au froid, aux intempéries? C'est ça, c'était avant le constant... comment on dit consortium? Pas, non, attends. Mm-hmm. Avant qu'il y ait eu la fameuse... C'est le... quand ils se sont tous mis à faire pour l'obsolescence programmée. Mais voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est ça. General Electric, Philips, Sylvania, les autres. Quoi? C'est que le problème, c'est ça. C'est qu'ils ne font pas des produits dans le but de, que ça dure. Ils font des produits dans le but que ça dure juste assez pour que tu en rachètes un autre. C'est ça, oui, le... C'est ça. Et c'est ça le problème de la société de consommation. Oui, et c'est ça que je l'ai dit. Ça, c'est avant l'obsolescence programmée. Parce qu'avant, les ampoules, tout était fait pour durer. Et ça, je pense que c'est une invention de Thomas Edison. Mm-hmm. Edison aurait trouvé une façon de faire fonctionner une ampoule à vie. Et ça, c'est avant qu'il y ait eu le consentant. Tu finis par la D, parce que j'allais sur le bout de l'an, ce mot-là. Qu'eux autres, que ce groupe de personnes, de compagnies comme General Electric, Philips, Sylvania et autres, mais General Electric, de c'est, fixer c'est la une durée de ça. Vie utile à un, à un appareil ou à une ampoule. Mais c'est normal qu'elle ait perdu de sa luminosité, mais essaye de faire 10 ans avec une ampoule, tu ne seras jamais capable. Ils font ça, comme tu disais, assez pour que ça dure quelques temps, mais c'est tellement fait cheap que tu vas être poussé à en racheter un autre parce que sinon, ils font pas d'argent. Mais c'est ça. Il y a un lave-linge avant... mon sèche-linge date de 1984, OK? Wow. L'année prochaine, j'ai aussi le lave-linge à chargement sur le dessus aussi. Qu'il faut que je répare, que je change toutes les pièces. Les pièces, étonnamment, Whirlpool ont encore les pièces. Mais tu sais que, en fait, il y a aussi un argument qui fait que tu changes ton appareil, ton équipement. C'est que, exemple, si tu as ton lave-linge là, qui a 20-30 ans, bah, en fait, le nouveau modèle, il est A++. Donc, en fait, au niveau de la consommation d'électricité, d'eau, etc., dans l'année, on va dire, tu es commis 30 balles, et sur 5 ans, bah, tu récupères ton argent. Tu vois, c'est ça aussi l'évolution. Mais ça, c'est pas forcément vrai. Après, je sais pas. Après, ils font ça aussi sur un certain nombre de lavages, etc. Ouais, mais ça, un lave-linge qui va avoir des problèmes après 40 ans, que tu fais juste restaurer et que tu peux encore avoir 20 ans, 30 ans, un sèche-linge qui n'a pas eu de réparation depuis 1984, et qu'il n'en aura probablement pas besoin. Ben, là, il commence à en avoir besoin parce que c'est sûr qu'après 40 ans, ça s'est usé. Tu m'étonnes. Ça a pris 40 ans et non 5 à 6 ans. Fait que le prix que ça va te coûter à le faire fonctionner versus le prix que ça va te coûter à changer, ça va revenir plus cher changer que de réparer la vieille machine que tu as depuis longtemps. Mais les gens aiment changer parce que soit qu'il s'est rendu jauni, soit qu'il s'est rendu brunard, soit que... qu'elle n'est pas en parfait état côté cosmétique, ou qu'ils veulent en stainless, ou qu'ils veulent avec plein de gadgets. Mais plus que tu as de mode sur un lave-linge, sur un lave-vaisselle, etc., plus que tu rajoutes de chance d'avoir des pannes, parce que plus que tu rajoutes de chaud, plus que c'est complexe, plus ça va être compliqué à réparer. Et c'est ça aussi le problème, hein. C'est ça le problème par rapport à tout ça, c'est qu'on est aussi tributaire de l'informatique. Hein, Oui, parce qu'avant, un lave-linge comme ça, c'était un mécanique. Tu sais, tu tournais ton seuil avec... Tu tirais le bouton et ça partait. Tout était mécanique. Maintenant, c'est rendu de l'électronique, donc souvent, il manque juste un condensateur dans la carte mère peut tout picher ton lave-linge.
Tandis qu'une vieille, un vieux lave-linge, t'as pas d'électronique dessus. Donc, qu'est-ce qui peut briser? Mais c'est pareil aussi au niveau des voitures, par exemple. De nos jours, tu peux plus faire tes réparations toi-même. Quand tu fais des vidanges, par exemple, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas avoir accès à tout. Il faut désactiver des choses. Faut brancher un boîtier spécial pour faire des réglages. En fait, on est de plus en plus coincé dans tous les domaines, en fait. Oui, juste parce qu'on veut de l'électronique, parce que ça ne nous convient pas. Mais de toute façon, même si on ne le veut pas, on l'a imposé, hein. Même dans des voitures. Bon, moi, ça m'a surpris de voir des voitures des Dacia, par exemple, électriques. Dans tous les domaines, en fait, on a des. Ben, en fait, il y a tout qui avance, quoi. De toute façon, le problème, c'est que dans la vie, c'est le mouvement, tu vois. Et la plupart des gens, surtout avec l'âge, on ne veut pas évoluer, on ne veut pas bouger. Et en fait, le problème, c'est que c'est nous qui sommes à la ramasse, parce qu'on est obligé, on est imposé au niveau des fonctionnements de la société, tu vois. Et eux, ils ont décidé qu'ils allaient avoir de plus en plus d'électronique, que les gens devaient faire les entretiens bah, chez le constructeur, etc. Moi, j'ai cru comprendre en France que, tu vois, tu as des groupes comme Peugeot qui ont des tas de marques, alors je sais plus, des Fiat, BM, etc. Ils sont tous ensemble, tu vois. Et comme les nouvelles voitures électriques sont. En fait, il y a moins d'entretien, parce qu'il y a moins de pièces d'usure, tu vois. Mais par exemple, au niveau des réparations, tout ça, il faut Mais être t'as plus tellement de technicien. capteurs que si le capteur est cassé, ça coûte cher à Non, réparer mais aussi. il faut être plus technicien, tu vois. Et comme pour réduire les coûts des pièces, etc., il y a Peugeot, je sais pas, ils vont avoir le châssis de la voiture, la 208, il est aussi sur la Corsa, il est aussi sur la BM machin bidule. Et en fait, le truc, c'est que, donc, ils vont faire des garages multimarques où il y aura moins de personnes, mais des gens plus compétents, tu vois. Donc là, tu pourras plus rien faire, parce que tu pourras pas faire l'entretien de ta voiture électrique. Tout comme tu faisais, moi je sais pas, moi je change les plaquettes de frein moi-même, je fais les vidanges moi-même, et pas tout ça on pourra plus le faire quand tu auras une voiture électrique. Tu vois? Oui, et maintenant les voitures sont moins en moins bien faites aussi. Ça aussi, ouais. Non mais c'est vrai que. Parce que tu sais, une voiture électrique, ça a une façon de s'user beaucoup, très différent en fait des voitures essence. Et potentiellement, une voiture électrique, tu peux faire 1 million de kilomètres sans problème. Oui, Tu vois? est-ce que la batterie ou l'électronique va Mais suivre? de toute J'en suis façon, pas sûr. les batteries, ça se change. Hein? Ça c'est sûr qu'il y a un cycle de vie. Hein? Parce que, Oui, comme je t'ai un dit, coup monstrueux, hein? bah oui, mais le problème, c'est ça. C'est que du coup, les gens, ils vont en fait louer les batteries. Comme ça, dès qu'elles sont un peu moins usées, bah, elles sont un peu trop usées, paf, tu les changes. Mais c'est ça l'hérésie, c'est que, en fait, le jour où tu devras payer des locations pour des batteries, ça voudra dire que ta voiture, tu n'utilises pas pendant un mois, bah, tu payes quand même la location. Et d'ailleurs, au niveau des tarifications pour l'électricité, avant, c'était très très avantageux d'avoir de l'électricité, de brancher, tac-tac. Mais de nos jours, quand tu vas sur les autoroutes, en fait, quand tu fais le ratio du prix, parce que c'est vrai que sur les autoroutes, l'essence est plus chère, mais l'électricité sur les bornes aussi est plus chère. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que c'est beaucoup plus cher. Donc du coup, en fait, ils sont en train de rattraper le prix de l'essence. Donc tout ça, à chaque fois, on te vend un truc, oui, mais c'est bien, ça te revient à 2 euros le plein d'électricité, etc. Et puis, l'électricité, c'est aussi un gros problème. Moi, j'habite dans un immeuble, par exemple. J'ai pas de place de parking, j'ai pas d'équipement spécialisé pour pouvoir brancher ma voiture. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que sur les parkings de supermarchés, de plus en plus, il y a des bornes électriques et c'est un truc qui se démocratise. Parce que Oui. finalement, je pense que c'est le moment idéal pour charger ta bagnole. Tu fais tes courses pendant 1 heure? T'as le temps de recharger ta voiture pendant 1 heure. Oui, et surtout que les places de stationnement pour les voitures électriques sont beaucoup plus proches de la porte d'entrée que les autres. Mais tout ça, c'est pour inciter les gens Comme à venir. IKEA, par exemple, les voitures hybrides et les voitures électriques, les stationnements sont en avant du magasin des fois ou très proche du magasin du IKEA. Exact, Donc, exact. moi, quand j'étais quelqu'un qui avait une voiture hybride,
on s'est stationné à côté du magasin. Ça a tellement été plus agréable d'aller chez Kia parce que beaucoup trop du monde, c'est toujours plein. Mais c'est ça, ils font exprès pour te faire chier parce qu'ils donnent des places qu'on aurait pu prendre normalement ne sont plus à nous autres. Ah ouais, parce que finalement, tu as les places handicapées. Les places pour les femmes enceintes, les places pour l'électricité. Et au final, on te montre presque du doigt, quoi. C'est comme si on te voit, on te foutait au coin, on te dit, oui, bon, ta voiture essence, toi, tu vas au fond. Tu vois, c'est dingue quand même, hein, comme les mentalités sont manipulées par les gens. L'auto électrique, c'est pas une mauvaise idée en soi, c'est juste mal pensé ou trop vite pensé. Parce que regarde, l'essence ça va être encore là, regarde, les voitures à essence vont être encore vendues en 2035. Ça va prendre encore un bon 60 ans avant que ça soit fini à vie. Ouais, bon, après peut-être pas autant, mais de toute façon nous on n'ira pas aussi loin. Mais bon, c'est vrai que l'énergie c'est un problème, le travail c'est un problème. Moi je dirais pas non à l'essence si c'est un deux temps par exemple. Pourquoi un deux temps? Comme un moteur de scooter pour recharger la génératrice électrique quand t'es dans la merde. Mais en fait, moi, j'ai jamais compris pourquoi, il y a très très longtemps en arrière, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait plutôt les moteurs hybrides? Parce que finalement, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. En plus, tu peux cumuler les puissances. Quand sur certaines voitures de luxe, tu as en fait les roues arrière, je sais pas. Mon voisin l'a un. Oui, mais en fait, tu peux cumuler, tu peux recharger. Quand tu es en ville, tu utilises le mode électrique. Enfin, je sais pas. Ça, ouais, mais ça... quand tu le portes en mode sport, Vincent, je l'ai essayé. Je l'ai monté à 180 km/h sur un rapidement. Ça te donne comme un coup. T'as le moteur à essence qui embarque en moteur avec le moteur électrique. Ça va hyper vite. La rapidité d'accélération que tu as quand tu mets les deux moteurs en même temps, c'est incroyable. Bah bien sûr, t'as une double propulsion. Oui, donc ça donne un coup, mais ça, c'est un bon compromis. Moi, je dirais les voitures essence acceptées jusqu'à 5 litres au 100 km. Donc, les hybrides affichables, je trouverais ça correct. Les hybrides, moins parce que c'est encore à essence, mais seulement ceux qui sont en fichage, je les permettrais. Après, c'est comme les voitures avec l'éthanol, où au final, c'est une grosse arnaque. Parce que chez nous, tu vois, l'essence, actuellement, c'est dans les 1,80, on va dire. Et l'éthanol, normalement, c'est censé être la moitié. Donc, 9, donc 90 centimes. Et depuis qu'il y a eu les restrictions d'essence, l'éthanol a augmenté de façon assez drastique. On est aux alentours d'1,20€. Alors, à savoir que l'éthanol, c'est quasiment, au niveau de la molécule, quasiment comme l'essence. Mais en fait, il y a moins d'énergie dans un litre d'éthanol que dans un litre d'essence. Bon, après, c'est 10%, c'est pas énorme. Mais du coup, faut que tu rajoutes 10% en fait à la. Comment dire ça? Au prix de l'essence, donc de 1,30 tu vas passer à 1,40, 1,45, et au final, à savoir aussi que l'éthanol c'est plus corrosif, donc les moteurs avec de l'éthanol, bah, ils ont une durée de vie moins importante. Au final, bah, c'est pas intéressant. Moi, mon père, il a fait la reprogrammation, tu sais, avec le petit boîtier, et au final, bah, en fait, vu que tout a augmenté, c'est pas intéressant du tout. C'est quasiment mieux de rouler à l'huile de patate frite. Mais tu sais que c'est les vieux moteurs diesel où tu peux rouler avec de l'huile. Oui, diesel, le problème, c'est que ça a longtemps été moins cher où ce que je voulais emmener, parce que j'entendais que tu parles du diesel. Le diesel a longtemps été moins cher, mais maintenant, il est rendu plus cher que l'essence. Alors ça, c'est une tendance qui s'est inversée en Europe, surtout de l'Allemagne et de la France, où je connais le plus. Parce que là, actuellement, et c'est ça qui est vraiment grisant, c'est qu'en Allemagne, quand pendant une période, le diesel est plus cher que l'essence, il y a toujours un inversement par rapport à la France. Et quand la France remonte le prix, eh ben c'est l'Allemagne qui redescend. Ils se foutent vraiment de la gueule. En plus, en Allemagne, c'est assez bizarre parce que tu as des horaires
par rapport à la bourse, d'après ce que j'ai compris. Ce qui fait que si tu vas telle heure le soir, bah en fait l'essence sera moins chère. Tu vois, c'est incroyable quand même qu'il y ait, en Allemagne, il faut même aller à certaines heures pour faire des économies d'essence, quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Ouais. Non, mais c'est du foutage de gueule, faut dire ce qui est. Oui, c'est pour ça que la voiture électrique est une bonne affaire parce que ça fait pas de bruit de un et de deux, ça prend pas d'essence. Oui, mais le fait que ça fait pas de bruit, ça peut être un inconvénient. Moi, j'ai déjà failli me faire renverser par une voiture électrique parce que je n'entendais pas. Tu vois, c'est... Pour ça, faut regarder les trois rétroviseurs tout le temps. Ah, mais là, je parle quand je suis à pied. Non, mais je suis désolé, mais le bruit, ça reste quelque chose dans l'essence très important. On peut éviter des accidents Pourquoi grâce à ça. les manufacturiers de voitures, les grands fabricants, se grouillent pour faire des VTC comme Jeep, Chrysler ont fait un Jeep avec non, un Ram, un pick-up Ram avec 750 chevaux V8 parce que ça va être bientôt défendu. Donc, présentement, les fabricants automobiles font des voitures avec certaines voitures avec des gros V8, des gros 8 cylindres qui polluent, comme la Charger, je pense, ou la Challenger, pour enterrer ça une fois pour toutes, parce que regarde, la Camaro, la Corvette, en vient électrique, tout s'en vient électrique. Donc, ceux qui ont la chance encore, regarde, Ford, je l'ai vu, le Ford Mach-E, ça reste que j'aime toujours mieux le bruit du Mustang de mon voisin, qui est un Mustang Shelby avec peu de une voiture de collection, 2009, qui a 500 quelques chevaux dans le moteur avec un V8. Et ça aussi, ça va me faire me rendre triste parce que tu n'entendras plus les gros blocs moteurs V8. V10, encore moins les V12. V12, c'était rare, mais c'était surtout. Regarde, ils disaient ça aujourd'hui. Lamborghini ont fait leur dernière voiture thermique. Mais tu sais que les Allemands, par rapport à un certain modèle de BM, ils ont dû descendre en cylindrée et rajouter un moteur électrique pour compenser la perte de chevaux. Et au niveau du bruit, ça m'avait fait sourire ce truc-là. En fait, ils ont carrément un système qui amplifie le bruit de la voiture, tu sais, pour Oui, pas avec que les les gens, haut-parleurs. ils sont frustrés. Oui, c'est très bien. Ils ont même pensé à faire des V8 hybrides. Mais tu sais, Ils ont de voir que. nous en Europe, je ne sais pas si vous avez ça, c'est que quand on achète des voitures polluantes ou puissantes, et en fait, ils ont des malus. Oui, de la merde de payer des frais de merde. Oui, on a ça maintenant. Vous avez aussi ça. Ah oui, ça va À se partir de normaliser. 100 000, je pense qu'on se bouffe comme 20 000 $ d'amende. C'est incroyable. Et pourtant, moi, en ce moment, j'arrête pas de voir des gens avec des grosses bagnoles. Et surtout, ça aussi, ça devrait être un signe que les gens ont du pognon, vu qu'ils achètent des grosses voitures. Mais tu vois, moi, je suis frontalier. Et une fois de plus, comme je dis, les Allemands, eux, ils allouent un fort budget pour la bagnole. Donc, ils ont des grosses BM et tout ça. Et puis, les gars, ils bouffent des trucs sous vide. Enfin, Oui. donc, c'est Et un peu trompeur, tu vois. ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? On parlait de. C'est quoi t'as parlé? J'ai d'avoir un blanc de mémoire. Bah, par rapport aux grosses voitures, les malus. Ouais. Puis ça, c'est encore une merde qu'ils vont nous faire. Mais en même temps, j'essaie de trouver une façon de l'expliquer mon point de vue, parce que j'essaie de retrouver ce que je voulais dire dès le départ, que j'ai oublié. C'est beau la vieillesse rendant 32 ans d'oublier. Attends, ça va me revenir un jour. Ça, on finit par me revenir, parce que tantôt, je l'avais oublié, je l'avais retrouvé. Puis là, j'allais oublier, puis là, il faut que je le re-re-retrouve. façon, on va bientôt clore le débat. On fera un autre débat par la suite. Là, il est déjà presque 2 heures et demie. Je vais Ouais, mais commencer. Ça avait rapport à qu'est-ce que tu avais dit. Ah, ouais.
Ah ouais, je pense avoir. Au moins, avant que je trouve pour 5 minutes, dans 5 minutes, j'en ai trouvé un autre truc qui ne m'inspire pas confiance. Les thermopompes alias les heat pumps alias les pompes à chaleur dans les voitures. Les pompes à chaleur, ça se connaît pas, ça. Une pompe à chaleur, c'est comme une clim murale qui chauffe et qui climatise. Non, ce que je veux dire, dans les voitures, je connais pas ça. C'est à peu près le même système de truc chaud. En fait, une pompe à chaleur, c'est un système qui récupère les calories, en fait, par exemple, dans le Bon, il sol. y a un climatiseur qui reverse en anglais, Donc, il peut faire le qui a une chaud et le valve. froid. Oui, en fait, c'est que t'as l'évaporateur et t'as le coil. Mettons, un va être à l'intérieur pour l'été. Mettons, OK, je vais t'expliquer ça du point de vue d'une clim centrale. Bon, tu as une thermopompe ou une pompe à chaleur. L'été, le froid va être à l'intérieur et le chaud va s'en aller dehors. Mais l'hiver, le froid, il va comme climatiser le dehors, mais chauffer l'intérieur. Parce qu'il va aller chercher le froid. Et c'est con à dire qu'un peu de chaleur, quand même, à moins 20 degrés Celsius, il va aller puiser la chaleur même dans le froid de l'hiver pour le redistribuer dans la maison. En ce cas, jamais qu'il le redistribue dehors, parce que je serais bien heureux d'avoir du chaud l'hiver. Mais, parce que ça, c'est un bon point à mener, parce que tu peux comprendre ce que je veux venir, ou ce que je veux en venir, parce que ça me fait en même temps penser à ce que je cherchais. Et ça, dans les voitures, ils ont eu des problèmes. Mais le problème, Des fois. attends, le problème c'est que la pompe à chaleur, elle récupère l'énergie dans le sol. Comment tu veux utiliser ce Non, avec les système? réfrigérants, avec un compresseur aussi. Non mais l'énergie, le compresseur, c'est bien beau, c'est par rapport à la pression du gaz. Mais l'énergie vient du sol. Tu es sûr on parle bien du même truc là? Moi, je parle avec un boîtier dehors avec des tuyaux qui rentrent dans la maison. Pas de quoi que. Ça, c'est de la géothermie dans le sol. Ça existe des pompes à chaleur. Ça, c'est de la géothermie dans le sol. Moi, c'est une pompe à chaleur normale. Et ça, dans les voitures, certains fabricants comme Volkswagen, attends que je ne dise pas de merde, Volkswagen, Ford, GM, il y a un autre que je ne me rappelle plus. L'hiver, ça marchait pas. Donc, à partir de moins 22, moins 20, même pas moins 18 degrés Celsius, t'avais pas de chaleur dans ta voiture. Bah oui, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie quand il fait trop Pourtant, t'as froid. des clims murales qui vont jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Parce que tu sais, les pompes à chaleur chez les gens, les jours les plus froids de l'année, ils sont obligés de compléter avec un autre système comme du fioul. Oui, parce qu'en fait, ils coupent la pompe à chaleur, ils l'éteignent pour pas que ça. Parce que de toute façon, si la laisse fonctionner, ça va être de l'air frais, parce qu'il va être dépendant des modèles. Mais en plus, Celle à en mon plus. père est de 2008, donc ça partait de moins 15 degrés. Mais moi, j'avais demandé au technicien avec le fait réparer de le mettre à moins 12, parce que comme il fait plus froid, comme c'est une vieille maison, à partir qu'il fait moins 12, elle ferme la pompe à chaleur, puis c'est directement dans la fournaise avec un élément électrique. Mais pour faire ça vite, pour finir là-dessus, ben avant que je retourne mon truc, c'est que ça, il y a eu des problèmes. Tu sais, t'avais plus rien pour faire. Puis pourtant, ça marchait bien sur le papier, tu comprends? Sur le papier, ça marchait Oui. numéro un. Et pourtant, même Mais. moi, j'aurais pu te le dire que ça allait être problématique. Tu sais, moi, je suis Ouais. électricien. J'en ai installé des pompes à chaleur, hein. Oui, J'ai vu mais ce que le c'est. truc, c'est que c'est pas une mauvaise idée, mais moi, c'est surtout comment que le dégivrage marche. Parce que à la maison, quand une pompe à chaleur défrosse ou dégèle, elle va se mettre en mode climatisation pour enlever la glace sur l'appareil extérieur et va demander soit au gaz naturel, à la fournaise, au gaz naturel, avec un élément résistif, de partir parce que sinon ça va être de l'air froid. Et ça, en tant que tel, c'est une très bonne idée de défroster en climatisation. C'est une des idées les moins chères
père, parce que avant que je te, avant qu'on finisse ça là-dessus, parce que si ça avait été avec des éléments, ça aurait été encore plus énergivore de voir qu'on peut juste en que le thermostat soit capable de dire c'est l'heure de le mettre en climatisation pour me dégeler, c'est énorme. Tu sais, ça prend pas beaucoup plus d'électricité quand ça dégèle, ça le fait tout seul, ça se remet à chauffer par la suite, et ça, c'est fini. Mais dans les voitures, je pense qu'elle n'était pas capable de se dégivrer. Mm-hmm. Et de toute façon, ça peut pas. De toute façon, une pompe à chaleur qui dégive, ça va faire de l'eau par terre. À la main, chez toi, c'est moins grave, mais sur la route, ça peut pas faire d'eau l'hiver, tu comprends? Mm-hmm. Parce que si tu as fait de l'eau, ça peut faire de la glace, puis ça peut faire de la glace noire. Exactement. Mais pour les voitures, ah oui, oui, j'aime de le retrouver, je vais le garder en mémoire en finissant là-dessus, oui. Puis qu'est-ce que je voulais dire tantôt quand tu parlais des voitures, tout ça? Ils te facturent encore la climatisation, la bande de légumes. Puis ça, c'était, remontons il y a une trentaine d'années. En 90-92, OK? Ouais. La climatisation n'était pas de série avant. On est d'accord maintenant, toutes les voitures, on ne les a pas en France, vous l'avez toutes. Oui, je pense aussi, oui. La seule voiture qui n'en avait pas jusqu'à l'année passée, c'était un Jeep Wrangler manuel. Et c'est là aussi, j'ai de rallumer pour mon autre point manuel, j'ai de me rappeler qu'est-ce que je voulais dire pour de vrai. Yeah. Puis bon, il faut payer pour ça. Avant, c'était pas ça. Mais maintenant, tu trouves cette taxe de climatisation. Et le dernier point que je voulais apporter, parce que tu parlais transmission automatique manuelle, la perte d'une boîte standard, qui est standard, qu'on dit en bon québécois, manuelle, mm-hmm. Me peine énormément, parce que je n'abandonnerai pas ma transmission manuelle pour rien au monde. Hein. Et ça me fait chier. De plus avoir de voitures manuelles parce qu'ils veulent toutes automatiques. Même si tu as des constructeurs de pacotiers qui essayent de faire des transmissions manuelles pour une voiture électrique avec un dynamo et un genre de fausse clutch, de faux embrayage à la con stupide, quoi, tu vas faire dire... comme étouffer le moteur virtuel. Non, sérieux, tu fais semblant de passer des vitesses? T'as un bras de vitesse, puis t'as un d'auto 456, hein? une pédale d'embrayage. Et tu vas même devoir, peut-être même devoir repartir ton moteur électrique si tu manques ta vitesse ou si tu l'étouffes. Toyota, ils ont travaillé là-dessus. Chrysler, ils ont fait un prototype d'un Jeep. Tout le monde dit que ça va numéro un. Ce qui me fait peur, ce qui me fait le plus peur, une transmission, ça n'a pas besoin de moteur thermique, t'es d'accord? Mm-hmm. C'est que vu qu'elle a besoin de dynamo en plus, tu sais, une transmission manuelle, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus simple? C'est bien plus simple qu'une automatique. Une automatique, c'est beaucoup d'engrenages et tout ça, tandis qu'une manuelle, c'est quelques engrenages, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu lèves un truc ou tu le baisses sur ton bras, tu te mets en reculons. Là, il faut que tu rajoutes un dynamo en plus et une fausse pédale d'embrayage. Mais tu sais, est-ce que tu connais les youtubeurs Vilebrequin? Ouais. Est-ce que tu as vu leur émission? Tu as vu leur émission où, tu sais, dans un James Bond, tu peux conduire une voiture avec un téléphone. Est-ce que tu as vu leur émission où ils ont fait une voiture qu'on peut téléguider avec un téléphone? Ouais. Tu as vu la complicité de ce qu'ils ont dû mettre en place pour pouvoir passer les rapports? Oui, parce que techniquement, tu peux changer de vitesse. Excusez-moi à ceux qui sont encore là, parce qu'on en a encore pour peut-être 10 minutes, mais ça, dans les James Bond, tu sais, dans Le Monde ne suffit pas, avec Valentin, quand il est dans son caviar, qu'il paye sur un... Pierce Brosnan paye sur un bouton de sa télécommande pour sa voiture, mm-hmm. et tu le vois s'embrayer, tout ça. Donc, ils ont dû arranger quelque chose pour que la cloche, la pédale d'embrayage soit au fond pour vraiment démarrer une voiture manuelle, parce qu'une voiture automatique, t'as
juste pour pouvoir mettre ton pied sur le frein. Mais là, ça va être encore plus vrai avec les voitures électriques, parce que les voitures électriques, techniquement, tu n'as pas moyen de mettre ça sur le park. Tu peux laisser ça sur drive ou sur neutre, ça va pouvoir s'éteindre. Tandis qu'une automatique, il faut quand même que tu payes ça sur le frein pour partir. Tandis qu'une manuelle, il faut que tu pousses ta pédale d'embrayage au fond et là, tu vas partir le moteur. Ça aussi, on a dû travailler là-dessus pour faire changer la vitesse avec vilebrequin aussi, parce que tu as raison avec la complexité que ça a dû. Parce qu'oublie pas, si tu mets la pédale d'accélérateur et l'embrayage en même temps, tu étouffes ton moteur, faut que tu le redémarres. Donc, faut que tu t'arranges quelque chose pour pas que ça l'étouffe, pour que les pédales se bougent une après l'autre. Jamais les deux en même temps et de changer au bon régime. Effectivement, c'était très compliqué. J'ai même pas compris la moitié comment il a fait ça. Ouais, exactement. Et la grosse vidéo, elle avait duré plus d'une heure. Hein. C'est... Les mecs qui se sont bouffés les doigts pour trouver une solution. Imaginez combien de temps ça a pris faire ça. La vidéo durait plus qu'une heure, mais ça a dû leur prendre plusieurs semaines. Ah, mais bien sûr. Bon, après, moi, je parle rien que l'explication, quoi. Mais tu vois, c'est incroyable, parce que nous, les voitures auto, en Europe, c'est pas du tout d'actualité. Mais ça s'en vient de plus en plus automatique, vos voitures. Parce que c'est pas prévu pour certaines circonstances. Tu vois, c'est comme au niveau du frein à main. Ma copine, elle a une Audi, et en fait, c'est un bouton, le frein à main. Parle-moi pas du bouton à la con de frein à main. Oui, mais ça quand tu fais un démarrage en côte, t'es emmerdé par rapport à ça. Parce que soit tu freines, soit tu défreines pas. Et alors que ton frein à main, toi, tu peux le doser, tu vois, quand tu as une voiture. Oui, mais ça peut rester pogné ou c'est électronique, hein. Mais déjà, t'as quelqu'un qui a pas voulu débarquer son frein à main électrique. Mais tu vois, bon, après, moi, je suis pas assez dans la technique pour comprendre, mais dans Vilebrequin, ils avaient expliqué qu'il y avait trois types de freins à main dans les voitures. Et, un au pied à gauche, un à bras et un électronique. Ouais, et t'en as qui sont très problématiques, quoi. Deux problématiques, c'est électronique, parce que c'est... Tu mets un truc encore plus électronique dans une voiture, et comme c'est un frein d'urgence, tu comprends pas pourquoi ils mettent ça des fois à des places pas possibles, parce qu'au moins au pied dans un camion, un pick-up, au moins tu peux le peser avec ton pied droit, parce que souvent maintenant les pick-up, le seul que je sais qui était manuel, une camionnette, c'était le Toyota Tacoma TRD, genre le modèle super sport du Toyota Tacoma, qui était étonnamment manuel, c'était le seul camionnette que j'ai vu qui était manuelle ici, c'était le Toyota Tacoma, puis je l'ai appris cette année parce que j'ai regardé, et c'était le seul pick-up à avoir une transmission manuelle. Mais ça, c'était avec un frein à bras manuel. Moi, je fais pas confiance à un frein à bras avec un petit bouton, parce que si t'es sur la panique, ok, t'es sur la glace, faut pas trop que tu te sers de ton frein à main, faut que tu y ailles avec tes pédales accélérateur frein. Mais si t'es vraiment dans la merde et que faut que tu tires ton frein à bras, comment tu vas faire avec un bouton? T'auras peut-être pas le même réflexe. Si tu glisses, mettons, tu sais, le bouton, des fois, tu peux glisser. Tu vas peut-être trop monter la musique parce que t'as comme glissé ou t'as eu pogné une bosse, donc le volume s'est monté trop haut sur ton volant. Donc, j'aime pas un frein électronique, même si l'idée est bonne sur papier, ce n'est pas fiable, ce n'est pas pratique. En plus, Vincent, si t'en as vraiment besoin et que t'es en panique parce que t'as plus de freins réguliers, t'auras peut-être pas... Tu sais, quand t'es sur l'adrénaline, peut-être t'auras pas la force de payer sur le bouton, tu comprends? Peut-être tu vas te mettre à chercher... Peut-être que sur la panique, tu vas te mettre à chercher ton bras ou à la pédale en bas et tu le trouveras pas parce que tu vas être en panique. Tandis qu'un bras, un frein à bras, tu fais juste le tirer, ça fait pareil. Mais nous, avant qu'on quitte là-dessus, qu'on ferme le stream, on a moins la tendance de mettre le frein à main au Canada, au Québec, parce que tu as plus d'automatique qu'une manuelle. Donc, techniquement, tu en as moins besoin de l'utiliser. Mais une manuelle, c'est sûr que c'est d'emblée le frein à bras, tu comprends? Ouais. Mais tu n'as pas tort là-dessus, c'est... J'ai jamais aimé les freins à bras électroniques.
je les déteste, je les haïs, je les envoie puis se faire voir chez les Grecs. Avant qu'on se quitte sur le stream, combien d'années a la OD de ta copine? Elle a 7 ans. Est-ce qu'elle a toujours été bien entretenue? Oui. Est-ce qu'elle l'a acheté usagé ou neuf? D'occasion. Combien d'années d'occasion? Parce que toutes les questions qui vont répondre à ma question. Elle avait 4 ans. 4 ans acheté concessionnaire ou pas? Comment? Acheté sur un concessionnaire ou pas? Concessionnaire, ouais. Oui, un concessionnaire Audi, sûrement au Volkswagen. Audi, ouais. Parce que, parce que sur le mot de la fin que je l'ai dit, c'était ça mes questions. Est-ce qu'elle a été vérifiée la voiture quand elle l'a pris possession usagée? Est-ce qu'elle avait beaucoup de kilométrage? Qu'elle avait été entretenue? Elle avait beaucoup de kilométrage et en fait, elle a fait des grosses réparations comme l'embrayage, la courroie de distribution, tu vois. C'était moi, je trouve que ça aurait dû être le concessionnaire qui aurait dû payer. Comment? Ça aurait dû être au concessionnaire à payer. Non, mais c'est pour ça qu'elle a pu s'acheter une Audi, parce que du coup, la voiture n'était pas très chère. Tu vois? Ouais. Esthétiquement, la voiture, elle est très très bien. Mais bon, maintenant qu'elle a changé beaucoup de pièces, elle a eu aussi des problèmes avec la pompe à diesel, tu vois. Oui. C'est pour ça où mon point là-dessus, c'était pour le frein électronique. Mm-hmm. Parce que quelqu'un qui s'en fait pas, c'est. Il peut se gripper. T'sais, même des fois, mon père, j'ai dit, au moins des fois, lève-le ton frein à main. Même si tu t'en sers pas, au moins une fois par semaine, mets-le quand tu vas travailler. Tu l'enlèves, t'es correct. Parce que si tu le mets pas, il va finir par rouiller. Puis... Surtout que là, ça risque d'être un mécanisme avec un truc en plastique. C'est pour ça que je te demandais ça, parce que, tu sais, voitures usagées, t'en as des belles, t'en as des très bien entretenues. Mais ta copine a fait la concession d'acheter une voiture qui n'était pas parfaite dans la... Qu'est-ce qui est, mettons, moteur, quoi, etc. Mm-hmm. Qu'elle a mis un montant d'argent dessus, elle a mis du fric dessus pour la mettre aux lois et aux... Oui, mais ça, c'est les pièces d'usure, c'est normal, hein, quand la voiture qui a beaucoup de oui, kilomètres. Oui, mais j'en ai déjà vu moi, un frein à bras que tu pouvais rouler même quand il était activé. C'est ça, ma plus grosse crainte. Tout s'en vient électronique et qui revient à notre point. Excuse-moi aussi à ceux qui nous regardent, parce que j'ai parti sur une bulle de ça. Ça m'a tellement ouvert une porte. Désolé à tout le monde. Mais que... Si tu n'entretiens pas bien l'électronique, ça va être coûteux. Tu risques d'avoir des problèmes que tu n'aurais pas avec du mécanique ou de l'hydraulique. Et tu n'auras peut-être pas la même mentalité quand tu dis, oh, je vais, mettons, il faut que j'aille faire changer mes pneus et que je suis dû pour un changement d'huile et que je commence à avoir un peu d'usure sur mes freins. J'aurai peut-être plus l'habitude de demander au garagiste, es-tu capable de changer mon huile, changer mes freins, changer mes pneus en même temps? J'aurai peut-être juste à dire, oh, on va juste changer les pneus. Enfin, j'aurai peut-être plus le même réflexe de demander de changer ici, quand ils sont dus, puis de me faire rappeler 2 semaines après, vous auriez dû faire changer vos freins. Donc, il m'a mis mes. Tu comprends? C'est tout ça aussi électronique, c'est que tu as des check engines, OK? Des check engines, c'est le témoin de moteur. Que maintenant, vu que c'est électronique, des fois sur des voitures à essence, thermique, peut s'allumer pour aucune raison. Donc, tu vas avoir un check engine, veuillez aller chez votre garagiste ou faire une visite. Au final, c'est juste une erreur de l'ordinateur. Donc, plus que tu vas mettre ça compliqué, plus tu vas mettre d'électronique, pour moi, et qu'est-ce que Sylvain avait parlé à une de vidéos sur sa chaîne Villebrequin, plus que tout va être compliqué, ça va coûter cher à réparer. Mais c'est le ça but. Va être compliqué à réparer. C'est le but. Parce comme que ça, on est dépendant des garages. Oui, et le mot vraiment de la fin, là, le problème, c'est que ça vient tout petit, tout petit, tout petit, tout beau, tout cute, tout mignon, tout mini rikiki. Mais en fait, c'est le système de. C'est quoi le homard que tu mets dans l'eau et petit à petit, tu fais monter
température et puis en fait il s'aperçoit pas qu'il est en train de cuire. Oui, parce qu'il va se mettre à siffler comme s'il souffrait, mais au final il ne souffre pas. En fait, dans tous les domaines, en fait, j'ai l'impression que c'est une tendance. On est en train fait pour être préparé, malheureusement. Tout n'est plus fait pour être... Avant tu avais les schémas en arrière pour réparer. Maintenant, c'est tout rendu électronique parce qu'ils sont pas fous, les fabricants. Les fabricants de tout, ils vont se dire, on met full d'électronique dans nos appareils. Les clients ne sauront pas les réparer. Nous, on saura le faire, mais comme les clients ont de l'argent... On va s'arranger que ça dure juste assez pour pas qu'ils s'en veulent de l'avoir acheté, mais pas trop longtemps pour pas que ça nous coûte cher, qu'on soit pauvre, qu'on soit à la paille. Pour imaginer ça, je vais t'expliquer l'histoire des DLC qu'on a par rapport aux aliments. Quand tu vas, je sais pas, donner du lait, par exemple, dans les îles françaises, il y a du trajet. Si la date est courte, en fait, quand le produit arrive dans cette fameuse île, bah, il ne reste plus beaucoup de temps. Ça peut même être périmé. Et pourtant, le produit, il peut être consommé, on va dire, le double. Hein. Alors, ils ont constaté que les produits en France et dans ces îles ne sont pas les mêmes au niveau des dates. Et au final, en fait, la date de consommation du produit, c'est entre le fait d'avoir le temps de liquider le produit, d'avoir le temps d'en refaire, et en fait ils s'alignent par rapport à ça, tu vois. C'est comme ça qu'ils font, en fait. On te fait quelque chose où tu peux notamment rouler 20 000 bornes parce qu'ils estiment que c'est intéressant, que tous les années tu vas racheter, tu vois. Ils essaient de trouver un équilibre dans tous les domaines. Est-ce que tu comprends où je vais en venir? Oui, je comprends aussi que ici quand ils font des livraisons, tu sais, dans les territoires éloignés du Québec, de l'Ontario et autres, que des fois, avec les avions et tout ça, la nourriture leur arrive moisie parce que l'électricité, un avion électricité pourrait apporter beaucoup de bien parce que ça pourrait être plus léger et meilleur, aller plus vite ici. Ça, je peux leur donner ça. Mais t'as pas tort, tu sais, la durée de vie, oui, d'une date peut leur arriver mauvais parce que, ou tu as comme une certaine durée de vie. Voilà. Mais en fait, ils essayent pas de se baser sur le produit, mais qu'est-ce qui est le mieux pour eux par rapport à la vente et au fait au réapprovisionnement. C'est mieux qu'en perdre un peu que de tout perdre. Tu vois, par exemple, pour les aliments, souvent, on achète des fruits, des légumes et tout ça, on les achète et au bout de 2 jours, ils sont en train de pourrir. Parce qu'en fait, ils les surgèlent. Quand ils sont pas encore mûrs, tu vois, pour le transport. Et en fait, tu as un genre de faux légumes en très bonne santé, et ils se dégradent après. Ou sinon, ils les gorgent d'eau aussi. Et du coup, ils sont gros. C'est comme les steaks hachés. Le steak haché, il faut que tu le fasses cuire la journée que tu l'achètes, quand il va te sentir mauvais le lendemain. Mais tu sais qu'au niveau de la viande, de plus en plus, je vois des steaks avec 49% de protéines végétales. Moi, je comprends pas comment est-ce qu'on peut te vendre un steak. De la viande, c'est de la viande. C'est pas du soja. Non, ouais. Tu vois, c'est incroyable. Hein. Là, en Alsace, il y a deux boulangeries qui vendent du pain avec de la farine d'insectes. Le petit triste à dire, mais les insectes, ça va être ça un jour. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, ça revient tellement cher à faire de la viande. Et avec moi, je pense que tous les prix vont augmenter. Et finalement, ils sont en train de mettre en place de la viande qu'ils font en laboratoire. Pour l'instant, c'est encore très très cher, tu vois. Et je pense que par la suite, on aura vraiment un creux entre les classes, tu vois. Les gens qui ont peu d'argent, ils vont devoir manger des trucs végétales, ils n'auront plus accès à la viande. Et il y a aussi ce problème de propriété. Il y a beaucoup de gens, on va dire, dans la haute société, qui ne veulent plus que les gens possèdent. C'est pour ça que depuis pas si longtemps en France, mais plus longtemps en Allemagne, je vais lire ton message Blade Runner à l'instant, je finis avec ça. En fait, ils veulent
que les gens mettent plusieurs générations pour payer les baraques. Et à long terme, c'est aussi pour ça qu'il y a les voitures électriques, tout ça, parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus chères. Et du coup, moi je te dis, dans les 10 années qui vont venir, il y aura beaucoup plus de leasing. Je vais lire le commentaire de Blade Runner. Trop bien ta chaîne, bah merci. Continue comme ça, ça a fait à faire des lives comme ça nocturne. C'est trop bien, tu ton remplaçant Romu. Non, je remplace pas Romu. Hein. Bitman n'est plus Jerry Storm. Mais Romu, il a sa chaîne. Hein. Cette nuit, il a diffusé. Bon, il joue à Mario Kart sur Radio Romu. Hein. Tu viens d'Alsace, moi aussi. Je suis. Bah écoute, moi je suis originaire de Strasbourg. Je suis du côté de Colmar, mais j'ai vécu au Wacken pendant 40 ans. Donc quasiment 40 ans. Bon, on va dire 35, ouais. Non, mais on peut rester encore un peu de temps. Il y a l'air d'avoir quelqu'un qui aime nous entendre parler. Ben voilà, ouais, si tu veux. Et même si tu as des questions, n'hésite pas, hein, si on peut un peu interagir. De toute façon, on peut rester encore un petit 20-30 minutes, 20-30 minutes de plus ou de moins, ça dérange pas. De toute façon, il y a l'air d'aimer ça. J'avoue que je suis un peu fatigué, mais je vais faire l'effort. Hein. N'hésite pas à mettre quelques commentaires. Faire l'effort pour lui, parce qu'il n'oublie pas plus que... On fait des efforts les deux, même si je suis fatigué. Moi aussi, j'avais à écouter la télévision ou manger. Dis-toi que c'est bon pour ta chaîne d'avoir de durer un peu plus longtemps parce que ça fait plus. Tu sais, des fois, ça coûte rien, faire plaisir à tes abonnés. Voilà, bien sûr, parce qu'après, moi j'ai envie qu'ils restent et j'ai envie d'avoir. Comme dit, moi, j'aimerais bien redévelopper parce que le Jerry Live, c'est un type d'émission que je faisais il y a quasiment 12-13 ans en arrière, tu vois. Et j'aimerais vraiment le faire de façon récurrente. Donc, si on peut un peu faire plaisir aux gens, bah, pour les inciter à revenir, bah, ça me fait plaisir, quoi. Mais c'est vrai que, donc, comme je te disais, on a vraiment des aliments à base de farine, d'insectes. Et, oui, j'ai goûté à des insectes séchés barbecue. Ça goûtait vraiment comme les chips barbecue. C'est fou. Parce que tu vois, au Japon, les gens, ils te mangent ça comme des bonbons. Tu as un insecte au milieu d'un truc en sucre. Et les gamins, ils te bouffent ça. Et c'est aussi. Ah bah tu vois, non mais c'est vraiment surprenant de devoir manger des trucs. Mais tu sais qu'en Thaïlande, ils mangent des tarentules sur un bâtonnet. Alors moi, je vais avoir 41 ans d'ici quelques mois. Mais tu vois, c'est incroyable les façons de manger. Mais vraiment, moi j'ai vraiment l'impression que de nos jours, on a. Un de mes amis m'a dit qu'il avait goûté une tarentule. Une tarentule, mais je sais pas. Comment tu veux manger des trucs comme ça? Ouais, mais en Thaïlande, tu sais, ils en ont plein de tarentules. Les autres peuvent bien en manger un peu. Mais regarde, ici, c'est chez cuit, c'est comme, regarde, on peut manger de l'orignal, on peut manger du cerf, on peut manger du serpent, de l'alligator, de la vache. Ça, c'est quelque chose de, comment dire ça, au niveau des traditions, tu vois. Parce que tu vois, je sais que les Anglais, traditionnellement, il y en a qui les surnomment les rosebifs, parce qu'ils ne mangent pas de cheval, tu vois. Ouais, mais ils mangent aussi du boudin, hein, black pudding. Ouais. Non, mais tu vois, ou c'est... c'est du haggis. Du haggis. Du sérieux? C'est interdit au Canada, du haggis. Non, mais c'est quoi? C'est comme une panse de mouton avec du sang et tout. Eh, mais tiens, et toi, tu connais la poutine? Ouais. Bah, c'est fait avec quoi, ce truc-là? La poutine... Ouais. De la sauce brune à base de bœuf, du fromage en crotte, autrement dit du fromage en grain, qui est un genre de. Qui est dans la catégorie des cheddar. Mais pourquoi ça s'appelle et des frites. Pourquoi ça s'appelle poutine ce truc-là? Ben, les frites sont trempées dans du. Je sais pas. Parce que c'est vrai c'est une erreur sur la poutine. Et pour ceux qui disent que c'est canadien ou américain, c'est québécois une poutine. Hein? Des fois, ça me fait chier d'entendre. Ou les Français, des fois, sur des chaînes YouTube qui font des poutines, je leur dis, mettez pas de ketchup dans une poutine. Tu sais, ils préparent la poutine, mais avec du ketchup. Une poutine, c'est du fromage en grain blanc, de la sauce brune et des patates frites. Il n'y a pas de fromage genre américain, il n'y a pas de... Le seul que je pourrais peut-être conseiller comme étant un bon remplacement, ce serait le cheddar ou de la mozzarella fraîche. Mais même encore là, mozzarella fraîche, t'es mieux avec du cheddar frais.
un cheddar blanc. Parce qu'il faut que ça fasse squick, squick dans la bouche pour que ça s'appelle du fromage en grain. C'est comme si ça glissait dans ta bouche puis ça faisait comme un... qu'est-ce qui peut faire squick, squick aussi? Il y a des affaires comme du plastique, quelque chose qui peut faire le bruit là. Ouais, je vois un peu ce mais que tu ne le réfrigères, tu ne le mets pas au réfrigérateur, par contre. C'est le seul fromage qui ne recommande pas de réfrigérer. D'accord. Donc, c'est à température pièce, puis tu manges ça le plus vite possible aussi. C'était l'instant culinaire du Jerry Live. Oui, mais ça, c'était une erreur. L'histoire de la poutine, soit que ça vient de Warwick, soit que ça vient de Drummondville. Parce que les deux, ils se cherchent des noises, entendez, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui l'ai inventé. Mm-hmm. Mais l'erreur, c'est que je pense que ça existait déjà des frites sauce, mais qui ont mis du fromage dedans. Il faut pas que le fromage soit trop fondu non plus. Et le fromage Quick, c'est comme un... En termes de... Quand tu le pèses dessus... Entre un Babybel et un Ficello. D'accord. En termes de, tu sais, de comment qu'il, quand tu le touches. Ici, c'est étonnamment, ça marche bien, Babybel et Ficello. Avant, il nous était un petit fait intéressant que ton fan, ton abonné va aimer. C'est aussi fait intéressant, ce que j'ai compris. Les Ficello avant et les Babybel étaient faites par Bell, hein, je pense, ça s'appelle le groupe. Non, je travaille pas, je connais pas les trouvailles de Jimmy. Je connais pas. Qui était en fait importé au Canada, donc c'était fait en France et importé ici. Le boursin aussi appartient est fait par Bell Canada. BEL, parce que Bell Canada, le fournisseur Internet, télévision et téléphone. Mais Bell, c'est comme une vache qui rit sans yeux. Une vache qui rit, en fait, la vache qui rit. Mais Ficello, je pense que c'est Diamond, Black Diamond qui font ça ici. Mais bref, qu'est-ce qui est boursin, qu'est-ce qui est mini Babybel, c'est fait par Bell Canada. Qui est une sous-compagnie de la compagnie mère en France. Mais avant, je pense qu'il était fabriqué en France. Mais ce que je trouve particulier, c'est que le goût était pareil. Alors, les trouvailles de Jimmy... Moi, au passage, je stream un autre YouTuber, là, dont il parle. Parlant de boursin, ça m'a donné... envie d'aller m'en acheter demain du bon vieux boursin. Astérion Ray qui interview Carl Tread de vient de Fury et de Pédo. Non mais c'est quoi ça là? Pédo-satanique de monde post-apocalyptique. Et apparemment Oussama Amar il l'avoue. Parce que c'est le mec là qui est accusé d'être un gros mytho là. Te raconte des trucs extravagants. On est tous des mythos, en fait. Ouais, bon, après, dans certaines proportions. Hein. Ouais, mais on a tous menti une fois à nos amis, à nos parents. C'est tout. Même des fois, on s'est même embelli un peu pour mieux paraître envers le monde. Après, le fait de mentir en société, c'est normal parce que tu peux pas dire la vérité à tout le monde. Ouais, mais si tu mens trop, tu peux perdre des amis. Ouais, ça dépend. Parfois, les mensonges, ça peut être bénéfique. Ouais, mais un mensonge va tout finir. La vérité va tout finir par se savoir un jour ou l'autre. Mon père m'a déjà dit ça quand j'étais plus jeune. La vérité finit par se savoir. T'sais, tu peux essayer de la cacher, la vérité, mais tu vas finir tôt par te faire prendre la main dans le sac. Donc, a priori, c'est quoi les trouvailles de Jimmy? C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les vides-greniers, alors. Ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle toi qui le faisais avant. Mais tu sais, ça plaît beaucoup, hein, ça.
les gens qui montent du matériel. Regarde le mec avec la bière. Dégustons de bière au beurre, Harry Potter. Mais j'aime bien moi les vêtements grenés. Ouais, mais après, moi je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup, donc c'est pour que ça. Moi, je suis un collectionneur surtout de jeux vidéo, de radio réveil, de ventilateurs, de tout ce qui se branche au mur quasiment. Il a une coupe un peu bizarre là. En parlant de coupe bizarre, il y en a un qui s'appelle 6K. Mais putain, m'arrête de parler de 6K. Au moins, on peut dire que lui, c'est un ennemi commun à plusieurs personnes. Hein? Bon, je vais m'abonner, je vais regarder ça par la suite, comme ça. La chaîne de les trouvailles de Jimmy. 6K. Les trouvailles de Jimmy et de 6K. Qui est... Hey, il a fait une vidéo il y a 9 heures. Ce qui m'a plu me déplut à Genève. C'est vrai que lui en ce moment il fait des. Il se balade beaucoup. C'est beau avoir du frais. Et moi j'adore ses vidéos. Amsterdam à 250 balles, Dublin à 200 balles, Rome à 250 balles. On peut pas. Oui, avec dans un taudis, avec pas de WC, nourriture de. Pas de nourriture inclus non plus. Donc, ça te fait des belles vacances magiques et miraculeuses, hein? Moi, j'ai jamais compris comment est-ce qu'il pouvait faire aussi peu de vidéos et avoir autant d'abonnés. Venise, et mine de rien, le petit 6K, il fait pas mal de Porto, Berlin, Venise, Cracovie, Japon, Genève. Japon, combien d'euros, Japon? Alors là, je sais pas, mais Japon, c'est cher. Attends, c'est où, Japon? Il y a pas. Ah non, c'est son truc. Ah, le Japon. Donc, il descend. Oui, 3 semaines. Moi, j'ai regardé pas aller au Japon 3 semaines. Ah, c'est super cher là-bas. Parce que, au Japon, tu vas pas là une semaine, on est d'accord? Ouais. Parce que ça te prend juste quoi, 3 jours y aller en avion, 3-4 jours? Je sais pas du tout. C'est long à aller au Japon. Ah, mais si c'est. Pense une journée et demie. Il a pas fait tant de vidéos que ça. Il y en a retiré aussi. Ah, je pense aussi, ouais. Bon, après, des vidéos de vie de grenier. Le Japon, moi, j'avais regardé combien pour une personne partait tout seul au Japon. Il allait pas mal de fois au Japon, hein. 3 semaines à 4 semaines, un mois d'aller là-bas, c'était pas loin de 30 000 $ canadiens. Donc, toi, j'avais regardé en euros, c'était 25 000 euros aller au Japon. Attends, on va voir. Putain, mais lui aussi, il a commencé. Bah, moi, je l'avais croisé en 2009, il fait ça de jeux vidéo. Bon, écoute, je pense qu'on va clore le débat pour aujourd'hui. Hein. On fera d'autres débats. Ouais. On va clore ça. Ah, il y a une chaîne secondaire aussi. Attends, par contre, la chaîne secondaire, ça fait 3 ans qu'il a rien posté dessus. Ah, il fait du gaming. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait du gaming? Oh, purée, il fait des 10 vues. Ah ouais, là par contre, au niveau des let's play, il y a moins de popularité. Et pourtant, il y a du God of War, il y a du Yakuza 6, purée. Ah oui, lui. Bayonetta. Eh, mais comment il peut faire aussi peu de vues avec Bayonetta, bon sang. Far Cry. En plus, YouTube Kids. Et il a fait les Assassin's Creed, les South Park. T'as-tu remarqué qu'il a mis sa photo en noir et blanc? Ah. Non, elle est en couleur sur sa chaîne principale, sur sa chaîne secondaire, c'est en noir et blanc. Mais c'est parce qu'il y a putain, plus de mais qu'elle est moche, on a sa photo. Oh, mais t'as fini, oui. On dirait M. Prof. Bon, allez, on va y aller. Hein, de toute façon, ouais. On va arrêter de parler sur 6K. Hey, mine de rien, il y a presque 5000 abonnés. Ça reste que sa photo d'intro est moche. Je vais te laisser le mot de la fin. Ouais. Est-ce que je peux te dire qu'est-ce que je pense dans ma tête? De ta tête? Ouais, j'ai un mot qui me tente, mais ça me brûle la langue. Allez, vas-y, il est presque trop. Il est 3h15, bon sang. Vas-y, allez, vas-y. Oui, Cisco, t'es moche. Oh, que c'est vilain. Non, mais pour de vrai, c'était sympathique. Mais on l'adore, Siska. On l'a croisé en 2009. Ouais, on l'adore tellement qu'elle est un ami à nous. En 2012,
il était prêt à me trouver un boulot parce que lui il travaille dans un truc de colis. Tu vois, le mec, il me connaît même pas, il me propose du boulot, quoi. C'est pas un mauvais gars, hein, mais bon, voilà, on est taquin. Bah écoute, Ouais. voilà, hein, sur ce, bah, on va aller se pieuter. Alors toi, il doit être quoi, 9h du soir? Popi, 21h13. Ah, tu vois, 21h, purée. Ça serait le temps d'aller préparer à manger. Sur ce, bah voilà, du coup, on va Oui. vous laisser, et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine Oui, bonne vidéo. soirée, bonne nuit. Salut, salut!